celui-là est ici. Il sort de ce pot, voyez-vous. J'avais ici une brique, et je l'ai mis dans ce pot pour que vous voyez qu'il s'agit bien de chocolat. Et d'ailleurs, je vais maintenant remettre une grande partie à l'intérieur de son carton. J'avais sorti juste pour vous montrer que c'était bien ça. On va remettre. Le plus dur, c'est de ne pas en coller à côté. Mais t'inquiète pas, je vais en garder pour toi. Je t'ai promis du chocolat, tu auras du chocolat. Voilà. Hop. On l'a remis dans son carton. Et ce qui reste, tu vas pouvoir goûter et dire au public s'il s'agit bien de chocolat. Hop. Ah si. Dis-nous, est-ce que c'est bien du bon chocolat? Du très très bon chocolat, hein? Bah, je disais du bon, j'étais modeste, c'est du très bon. D'ailleurs, elle continue, hein, pas de problème. Bon. Alors, si t'en veux encore un peu, il en restera encore dans le pot. Hein. Mais alors, évidemment, tout le monde n'aime pas le chocolat. Il y en a qui détestent le chocolat. Heureusement, ce carton est un carton magique qui permet de satisfaire tous les désirs des gens. Et par exemple, ceux qui n'aiment pas le chocolat, ils peuvent aimer le lait. Alors, ce qu'on fait, on extrait le chocolat du lait, comme ceci, voyez-vous. Et là, on se retrouve avec du lait. Simple lait. Il y en a qui n'aiment ni le lait, ni le chocolat. Alors, ceux-ci, on peut leur servir, par exemple, eh ben, un diabolo menthe. C'est bien, un diabolo menthe. Hein, ça rend amoureux, la menthe. Voilà. Diabolo menthe. Pour ceux qui ont besoin un peu... Ceux qui ont besoin d'énergie, n'est-ce pas? Alors, il y a le fameux multivitamine, maintenant, très à la mode. Hein. Multivitamine. Hop, voilà. Multivitamine. Il y a les inconditionnels, évidemment. Les inconditionnels du Coca-Cola. Ah, très populaire, le Coca-Cola. Hein. Puis alors, il y a aussi le type qui est en short devant sa télé, avec une pizza dans une main, et dans l'autre main, il a quoi? La bière. Il a évidemment, il a la bière, avec le faux col. Et il faut quand même se rappeler que tout ça, c'est avec du chocolat. Hein. Tout ça, c'est avec du chocolat. Et puis, il y a ceux qui ont des goûts simples, par exemple, ceux qui aiment que la limonade toute simple, alors on peut leur servir aussi de la limonade, comme ceci, voyez-vous. Qui c'est qui veut de la limonade? Hein, toi? Voilà, tiens, tu prends la limonade et... Alors, tu goûtes, est-ce que c'est bien de la bonne limonade? C'est de la bonne limonade. Alors, c'est quand même incroyable, parce que là, c'était du bon chocolat, maintenant, c'est devenu de la bonne limonade, et puis on va distribuer à tout le monde, alors. Parce qu'il y en a qui disent que c'est des produits chimiques, des colorants. On veut savoir si ce sont les bons produits. Alors, ceux qui ont un verre, vous vous levez. Ne buvez pas tout de suite, vous vous levez. Tous ceux qui ont un verre se lèvent. Mais une fois que vous avez un verre, vous ne vous levez pas avant. Une fois que vous avez un verre, vous vous levez. Ah, mais vous avez tout bu? Tout? Vous en voulez encore? Non, c'est bon, faut pas exagérer quand même. Voilà. Et tous ceux qui ont un verre veulent bien se lever. S'il vous plaît, monsieur, vous aviez quoi comme verre? Le Coca. Alors vous goûtez, allez-y. Goûtez. Est-ce que c'est bien du vrai Coca-Cola? Oui. Du vrai Coca. Après, qu'est-ce que vous aviez, mademoiselle? Un multivitamine? Allez-y, goûtez. Est-ce que c'est du vrai multivitamine? Goût de la carotte? Il y a des vitamines dans la carotte, il y a de tout, oui. Et puis alors, qui c'est qui avait encore des verres? Alors, ben, le lait, c'est bien du lait? C'est bien du lait? Oui! Vous aviez quoi, vous? Limonade, c'était bien de la limonade. Et ce sont donc bien les vrais produits. Alors, j'entends des murmures dans le public. Des gens qui disent, oui, ce carton est abominablement truqué. Abominablement truqué, et il doit y avoir des compartiments avec diverses boissons, des tuyaux, des trous, des tubes. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en regardant à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, ce carton est un carton tout ce qu'il y a de plus normal, et qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout, comme vous pouvez le vérifier. Vraiment de la magie. Merci, mademoiselle, pour être venue goûter le chocolat.